reparti pour une petite heure. Il est minuit. Parfait. On a plein de niveaux à dépenser. On va faire un perso de dingue. Enfin, on va commencer du moins parce que là, je vois qu'on a plein de niveaux. 9h24 du matin, il faut que je... Oula. Hop. 1000 dollars. Il faut commencer. Pas grand chose de cyber encore. Hein. Bien qu'on soit déjà mort. C'est l'avancée du jeu, ça? Bon. On repart un petit peu dans les menus encore. Quelle haine. T'as rien de mieux à faire? Donc voilà, on voulait lire le message plutôt que de mater le cul de la gonzesse. Et on a plein de missions annexes, c'est magnifique. V, il faut qu'on parle, réponse s'il te plaît. J'ai trouvé un petit quelque chose qui appartient à Jackie. Je pense qu'il aurait aimé que tu l'aies posé devant ta porte. Ensuite, on va dépenser nos points. Comment j'appelle Mama Wells? Les mecs, comment t'as fait ça? Allô, Mama Wells? Attendez, il y a un truc que j'ai pas compris là. Bonjour. Qui tire? Il y a un market là-bas. Elle est énorme la ville. Qu'est-ce que tu fais là toi encore? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment j'appelle Mama Wells? Ah, le téléphone, quel boulet! Tout à l'heure, j'ai à faire ça, quoi. Désolé, j'ai mis un peu de temps. Depuis la mort de Jackie. Je voulais vous appeler plus tôt, Mama Wells. Vous savez ce que c'est? Tu avais des choses plus importantes en tête. Oui, Vida, qu'est-ce qui ne va pas? Je voulais juste savoir si... Vous savez, si vous teniez le coup. C'est dur. Les parents ne devraient pas enterrer leurs enfants. Je n'ai même pas de corps à enterrer. Mila, ne t'inquiète pas. Je prends soin de moi. J'imagine que tu fais toujours... la même chose qu'avant. Promets-moi que tu ne te feras pas tuer. D'accord? Que le Seigneur te protège, Mila. La maman de Jackie. La pauvre. On voit ça. Par contre,
quartier. Non. Oh mais non, mais j'ai pas fait exprès les gars, désolé. N'inquiétez pas, c'est un accident. Comment on ouvre cette merde? Récupérer le colis de Mama Wells. Ah, mes grenades. C'est bugué ou c'est moi? Et on a fait une heure de scénario là, jusqu'à maintenant. Et là, on a repris. Deuxième, on va reprendre une petite heure encore. Et je ne sais pas quoi faire. Ah, attendez. De toute façon, on va faire des missions annexes. Alors, je vais faire mon build de perso maintenant. Voilà, on va faire ça maintenant. Donc. 4 points d'attributs disponibles, 7 points d'avantage. Ah, plus de mémoire vive, c'est important ça. Ouais, ouais, on s'en sert pas mal du piratage, on en fait beaucoup du piratage. Euro-dollars. Désactive toutes les caméras du réseau pendant 3 minutes. Réduit la duf... Oh putain, c'est bien ça. Bon hacking avec ça. On va augmenter notre piratage. On récupère de la mémoire vive. Alors ça, c'est les mecs qui nous piratent. Ok, donc maintenant, on va pouvoir les voir. Allez hop, c'est parti. On est immunisé contre nos grenades. Donc notre endurance, les dégâts... On affiche avec les points, les dégâts qu'on affiche avec les armes au corps à corps. On peut se déplacer tout en visant un ennemi. Prendre un peu d'esquive. Un build assez général. Assez équilibré, on va dire. Donc on revient à cette mission, on va aller en faire une autre du coup, parce que j'ai pas envie de rester là 3 heures. Mission annexe, ça y est. Ah. Ok. Il faudra peut-être le faire plus tard. Hein. Donc on va faire quelques trucs annexes, tiens. Récupérez votre véhicule sur le parking. C'est parti.
Pars pas, tu vas me fendre le cœur. Au sujet de ces combats, vous savez... Bébé, si t'as pas de titane dans le crâne, tu vas finir par avoir des problèmes de mémoire. Les combats sont organisés dans différents endroits de la ville. Tu choisis où tu veux aller, t'allonges tes ailes et tu rentres en piste. Si tu gagnes, à toi la caisse. Si tu les étales tous, tu pourras participer à la finale. C'est bon ? Très clair. Yes. C'est un triste jour pour notre ville, avec le décès du maire Lucius Rat. Quoi ? Nous avons appris la nouvelle par sa famille. Il est mort paisiblement dans son sommeil. La cause de son décès n'a pas été communiquée, mais les premiers rapports suggèrent une défaillance d'un plan coronarien. Non. Le reste du mandat du maire Rhein sera assuré par son adjoint et son associé le plus proche, Weldon Holt. Holt a d'ailleurs annoncé qu'il briguerait le poste de maire lors des prochaines élections. Aujourd'hui, nous pleurons tous la disparition de notre maire et ami, Lucius Rhein. Une fois nos larmes séchées, nous tournerons notre regard vers la vision que Lucius avait pour notre ville. Je promets de tout mettre en œuvre pour que ses efforts perdurent et soient à jamais. Alors, tu peux parler de ce qui s'est passé hier ? Elle est où notre caisse ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un qui veut nous la voler ou quoi ? Johnny, t'as vu ce qui s'est passé ? Y'a un truc qui va pas. Sans blague. Je parle pas de l'accident, mais de la fuite. Pourquoi le chauffeur le plus courtois de la ville se tire comme ça après un accident ? Merde ! Je peux pas rentrer dedans. Tu utilises plus, c'est le truc de la mène qui m'est rentré dedans alors que c'est le chauffeur le plus gentil. Ok. Alors, mais j'ai une nouvelle caisse. Mon maire préféré, j'ai une galéna à vendre, elle est pas beaucoup servie. Le mec qu'il avait depuis 10 ans était un peu parano, il osait pas sortir. On avait peur qu'il le bute. Elle est restée à l'abandon tout ce temps, mais il faut croire qu'on peut pas échapper à son destin parce qu'il s'est pris une balle perdue par sa fenêtre. Le mort de l'histoire, c'est qu'il faut mordre la vie à pleines dents. Alors fais pas ta pince, sors ta puce de crédit et achète de jolis bijoux. Putain, je peux pas rentrer dedans et j'ai plus les points quoi. Un fixeur vient de vous envoyer une offre pour acheter un véhicule. Chaque fois que vous recevez une offre, un nouveau marqueur apparaît sur votre mini-carte pour acheter le véhicule. Vous allez à l'endroit indiqué et confirmer l'achat. Dommage, j'ai pas de points à dépenser. 13 000 $, j'ai acheté ça ? Dommage, si j'avais su, j'aurais gardé mes points. Ah, attendez, je fais quelle mission là ? Attendez, j'ai vu très dangereux. Et peu dangereux, non ? Danger très bas. Quand je monte ? Moi, faut m'expliquer, hein, sinon je trouve pas. Ah, ça y est. Je vais me perdre dans un parking.
Bienvenue sur N54 News. Gillian Jordan qui vous présente l'actualité dans le boulet quoi. L'effondrement de la mine d'uranium de Lunarinskaya qui s'est produit à proximité de Novosibirsk dans le sud de la Sibérie a finalement connu un dénouement. Wow. Comme vous vous en souvenez, 35 mineurs se sont retrouvés piégés sous terre après un séisme de forte magnitude. Cependant, grâce à leur plan d'hibernation sous Slick 2, les mineurs ont réussi à survivre sans nourriture ni aucun accès à l'eau pendant 2 semaines. Heureusement, après leur sauvetage et un bref repos pour permettre une évaluation technique, les mineurs ont pu immédiatement le travail. Passons des entrailles de la Terre à l'espace. Militech a annoncé son projet. Les mineurs qui ont repris le travail direct. Quoi. Après avoir été resté 2 semaines sans manger et sans boire enfermé. Et résidentiel. 10 modules résidentiels sont dès à présent proposés à la vente au prix initial de 100 millions d'euros dollars. Le prix est élevé, certes. Je comprends pas ce qu'il faut que je fasse. Désolé. Merci à tous. Bonne nuit. Quel boulet quoi. Cool ce véhicule. Comme en vrai. Le petit rupteur. Trop bien la ville, hein. De phare sur la voiture.
C'est pas moi. Ah mais c'est des flics. C'est des flics. Je déconne. Au secours. La voiture. Je suis à 0 HP. Non, c'est ça. Je crois que ma voiture est à 0 HP. Ma voiture que je viens d'acheter 13 000 balles. Je l'ai démontée à cause des flics. Bravo. On a fait une bonne balade en tout cas. En plus, nous, on va faire des missions annexes depuis tout à l'heure. Donc, on roule. On a fait les coins un quart d'heure, mais on va pas faire ça en plus. Désolé. Contrat de vol. Voler un fourgon. De courrier service. Un contrat habituel que je te confie là, tu vas devoir t'introduire dans les installations de Reverse Courrier Service à Northside et voler une camionnette remplie de vestes en cuir. T'inquiète pas, moi aussi je suis posé quelques questions au début. Mais le boulot est en fait très simple. Quelqu'un fait entrer des vestes de combat en cuir synthétique en douce à Night City pour contourner l'embargo des corpos. Le cuir est importé sous forme de veste, ensuite distribué aux charcudoc clandestins. Les derniers s'en servent pour leurs implants. Sont revendus à un prix compétitif. Impressionnante chaîne logistique, hein. Ma cliente a trouvé la cargaison. Elle peut pas la récupérer. Elle peut la remplacer. Ah, et la meuf flic qu'on avait rencontrée, c'était sur un contrat aussi. Oubliez que les véhicules RCA ne démarrent pas tant que l'identité de chauffeur n'a pas été vérifiée. Oh, je précise, l'entrepôt de RCA, c'est contrôlé par les Tiger Claw. Non ? Bah voilà, c'est fait. L'endroit leur sert de à blanchir le fric, alors t'étonne pas. Si t'en vois traîner là-bas, sois prudent et bonne chance. Voilà, on va aller faire ça. Je sais pas comment réparer la bagnole. Ouais, c'est juste là. Ah ouais, c'est ici qu'on va. Énorme. La ville, elle est dingue. Mais on peut monter là. C'est chez moi. Attendez. Ah voilà, il me montre ça là. Il y a un truc à faire juste à côté en fait. On va faire la mission. Je comprends pas pourquoi ça monte cette mission. Il doit l'avoir sélectionné, je pense. Elle est sélectionnée ou quoi? Tu veux le job? Faire exploser ma caisse. La violence de la conduite.
Alors eux, ils déconnent pas. Ok, êtes-vous prêt pour la mission? Elle a vu que je voulais la pirater. Oh, j'ai trop fait de la merde. Attendez, je vais sauvegarder. Non, non, mais je les connais. J'aurais voulu. Ah, ils ont fermé. Pourquoi ça me monte zéro la barre en haut là? Moi je suis à zéro de vie. Je comprends pas ce qui se passe. Oh, mais je suis invincible ou quoi? Invincible. Faut charger en fait. Tellement de la merde. Ma vie est buggée, je sais pas. Yes. On s'est pas trop servi du hack au final. A fait massacre. Ok, alors.
municipalité envisage sérieusement de vendre le terrain. Non, j'étais pas ma cible, hein, je pense pas. 1C55E9. $1 symbolique à la seule condition que Kang Tao s'engage fermement. Yes. E9-55-1C. Putain, mais j'y arrive pas, ça m'énerve. Putain, mais pourquoi ça me... J'ai pas compris la logique du truc encore. Désolé. C'est un pistolet où tu charges mon pistolet. Rampau. Crusher, j'ai récupéré un crusher. Waouh, nouvel objet reçu. Les dégâts de 5. Méridier les dégâts infligés par ces... Waouh, elle est énorme. La lunette. Attendez, elle dépote cette arme. Yes. €2500.
Ok. Essos. Ah, c'est bon. Bon, tout le monde est mort chez toi, t'inquiète. Je vais me faire emmerder. Ah. Mais utiliser F, se connecter F. Comment je peux... Ah, j'ai dépensé mon point pour rien, c'est horrible. Et je veux pas faire ça, faire l'autre là. C'est bon. Allez. On est là. On a ramené le fourgon. Prenez ce petit boulot du NSPD, battez tous les ennemis et ramassez le butin si vous... Camionnette réceptionnée. Ou ramassez le butin. Amenez ça demain de maître. Chapeau. 20 sur 20. Ils me disent ça maintenant là. Ou ramassez le butin, ramassez le butin, ou ramassez le butin, j'ai pas compris. Ma voiture va être réparée. À côté de chez moi, on va aller le faire. Ah, c'était le contrat, on l'a fait le contrat, ouais, voilà. On va aller faire ça. Gazer. Où ça, agression en cours? Derrière moi. Ah yes. Toujours à zéro de vie. Hein.
sais pas ce qui m'arrive, faudrait que je relance. Putain, pique ça. Voilà, comment elle déboîte mon arme. On n'a pas piraté grand monde là. Salut Alphax. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. Et on fait ça. Hein. Capable de faire ça, on fait ça. Bon, on les a démontés. On n'a pas beaucoup de balles hein, pour ça. Là, 229 balles. J'ai réparé ma petite voiture. Un voyage rapide apparemment qu'on devrait utiliser plutôt que la voiture. Rien si je peux aller chez moi. Salut V. J'ai un client, disons que c'est pas une flèche. Il s'est mis méchamment dans la merde et il a besoin de quitter la ville au plus vite. Les détails sont en pièces jointes. C'est où chez moi? Ah, c'est là. Voilà, parfait. Bonne nuit, Lexique. Allez, good night. Vingtaine de minutes et c'est fini. Voilà, on est juste à côté de notre mission, c'est parfait. Dans cette tour. C'est une affaire privée. Tire-toi de là. Attends, peut-être qu'il connaît Barry. C'est une méga tour ici. On va me traiter de balance si je discute avec les flics. Il y en a pas pour longtemps. Vous connaissez Barry? Vite fait. On a discuté une fois ou deux. C'était un collègue à nous. Il a quitté la police il y a pas longtemps. Il a craqué après la mort de son meilleur ami et... on a peur qu'il fasse une bêtise. Détends-toi, Petrova. Il a des nerfs d'acier, Barry. C'est juste une vieille teigne. Mendez! Vous pourriez aller le voir une fois qu'il sera calmé? Je sais pas trop. Ça m'a l'air tendu, et je suis pas très doué pour parler aux gens. Réfléchissez-y, ok? Barry est un type bien, et c'était un bon flic. Il mérite pas de finir seul. Je verrai ce que je peux faire, mais je vous promets rien. Hey Barry, ça va, vous allez bien? Bon, je prends ça pour un oui, hein. Je réessayerai plus tard. Ok.
Eh, c'est vrai qu'on a battu le... Ah non. C'est lui Wakako là. Quoi Wakako? Tu pues le fast food. Par de là. Ok, on y va. Faire cette mission. Allez, un petit kilomètre à pied, ça nous rend plus athlétiques. Qu'on pourrait faire quelques combats. Est-ce un mirage? Un hologramme? Non, mes amis, c'est un magnifique ciel dégagé! Mais ne vous fiez pas à ce que je dis. Sortez! Sortez! Profitez du soleil! Change de coin de la ville là. Ah là là, c'est classe. C'est tellement classe. Oh, on oublierait presque de prendre la bonne route. Oui, ça fait un bail. Wakako Okada, la dame du domaine de Westbrook. Passe me voir quand t'auras un moment. On doit régler vos comptes. Pour Sandra Dorset, vous vous êtes bien débrouillé. Ton ami et toi. À plus tard. J'arrive. Voici. On va où lui? On le suit. Il a l'air de savoir où il va. Il est là, il est là. Tu vas comme ça. Tu vas, où tu vas? Hein? Tu vas te calmer. Tu vas te calmer, tu vas arrêter de courir. Ville toute délabrée, c'est énorme. Ok, Wakako. Voici. Tiens, tiens, mais qui vois-je? V en personne dans mon humble petit salon. Elle est sexy, la vieille. Wakako, ça faisait un bail. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Elle est chic-chi? On a encore une affaire à régler. Tu te souviens de Sandra Dorset? J'oublie jamais ce genre de choses, V. Me paye. Voilà ta récompense. J'y ai ajouté un bonus plutôt généreux. Va voir un charcutoc. Tu pourras te faire poser un implant dermique pour la compatibilité avec les armes intelligentes. Ah ouais? C'est une spécialité des Tiger Claws. Je parie que personne connaît Westbrook aussi bien que toi. Mais Marie connaissait Westbrook, c'est vrai. Ils étaient tous haut placés chez les Tiger Claws. Ils régnaient sur Japantown. Ils faisaient quoi? Ce qui rapporte le plus d'édits et de pouvoir, ils vendaient du sexe et de la tech au marché noir. Sexe et du latex? Désolé, mais c'est plus fort que moi.
T'as eu combien de maris au juste ? 200. 5. Tous morts prématurément. Une vraie tragédie familiale. T'as pas peur que la tragédie te frappe aussi ? Je peux pas me permettre de mourir. Des fils, j'en ai deux. On n'a pas terminé. Salut. Tu voulais me parler ? Non. Hey, tu cherches un peu de compagnie pour ce soir ? Hey ! Si oui, t'es au bon endroit. Ouais, ok. J'ai un peu de temps à tuer. Viens par là, bébé. Danse, baby, danse. C'est plus 18, les gars, alors arrêtez, hein. Allez au lit, s'il faut que vous alliez au lit, les jeunes. Ah ouais. Gorge profonde et tout, pardon. Incroyable. Incroyable ce qu'on a vécu avec cette prostitute. Ah. J'ai un truc qui va te faire bander toute la nuit. Ça refait un homme. Les fameux gods dont on parlait. Non mais plus gros quoi. Pourquoi tu crois que tu es venu ici ? Pour pas avoir à l'utiliser. Oui, je vois ça. Bon, vous avez choisi ? Et qu'est-ce qu'on fout là dans ce magasin ? Est-ce que je peux vous aider ? Oui, voilà. On est à 2 km. Oh, il va où comme ça, ce beau petit cul ? Ralentis ! T'as besoin d'une petite P-A-U-S-E. Pause. Quoi ? Ici ? T'es ma sœur de rue ? Non, non, non. Ça, ça coûte plus cher. Allez, on va à la clinique. Elle était déjà là, ma route. Encore une voiture qui marche un peu plus. Mais bon, c'est pas mal déjà. Manque un peu de peps. Un peu bourrin, mais ça va, ça passe, hein, c'est RP. RP. Arrive, cher Kudok. Ça
Mais arrêtez de m'appeler, quoi. Du NCPD. Un mandat a été lancé à l'encontre de suspects accusés de crimes organisés à proximité de Ross Street et Shipyard Way. Un groupe de désosseurs mené par Yelena Sidorova a agressé plusieurs sans-abri. Considérez les suspects comme armés et dangereux. Les autorités de Night City offrent une récompense à quiconque neutralisera la menace. Ok. Alors, y'a quoi de beau ? Je te laisse choisir. Ok. Énorme le vinyle de... Oh, trop bien. On dirait que c'est le vinyle de l'autre, non? Alors comment je vends tout ça déjà, les babioles? Merde, comment je vends... Ah, attendez, ah oui, c'est en bas. Vendre les... la camelote. Pour 2300. Ça, c'est quoi? Quoi? J'ai ça, moi? Attendez, mais j'ai ça? Attendez, mais j'ai des modules. Attendez, il se passe des choses que j'avais pas compris là. Donc c'est vrai qu'on peut fabriquer et tout. Et où mon menu vert. 5 modes disponibles. L'état là. Alors voyons ce qu'il a lui maintenant. Déjà ça. Super. Commerce. Alors, et ça, comment je le mets? Lame dégâts thermiques, module cinétique. Les lames mantis infligent des dégâts. Ah, c'est des lames mantis. Ça, je peux le vendre. Ça, je peux pas le mettre. Processeur overclock. Ok.
toute façon, on va s'arrêter là, les amis. Ce soir. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que je lui récupère? Lui, il a un truc à me filer, là, cadeau? Ça à me donner, c'est quoi ma récompense? Point américain, dégâts électriques, dégâts chimiques, monocable, dégâts thermiques. Récupérez votre récompense gratuite dans l'inventaire de la clinique de Charcudog de Cassius Ryder. Alors c'est où que je récupère Cassius Ryder, c'est quoi? Ah, il a plein de trucs disponibles. Alors il en a 11, est-ce qu'il y en a qui sont gratuits? Non. Thème sanguin, c'est quoi ça, SC? Ça coûte 1500. Quoi? Injecteur de thyronine. Augmente le temps de piratage du protocole. Okay. Il faut 12 de réputation pour acheter ça. Où est mon cadeau? Il y a plein de trucs disponibles. Hein. Charge limite de 20%. Voyons si j'achète. Je l'ai acheté. Et donc, je l'ai installé. Et donc, j'ai un os en titane. J'ai un os en titane, les gars. Je possède un os en titane. Contre la charge limite de 20%. Des os imprégnés de métal capables de résister à de lourdes charges. Bon, écoutez, je vais regarder ça attentivement hors caméra. Je vais me faire un petit build et quand on reprendra le jeu, je vous montrerai ce que j'ai acheté. Et là, je vais aller au lit, je vais arrêter.